Leçon 71. Je t'ai apporté une pomme. Et, comment es-tu arrivé ici J'ai fait du vélo. Êtes-vous sérieux Pourquoi fais-tu ça J'aurais pu te ramasser. C'est bon, je ne voulais pas te déranger. Je sais que tu n'aimes pas te lever tôt. C'est si gentil de ta part. Vous n'avez pas froid Non, pas vraiment. Je portais un manteau. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac C'est un type spécial de pommes. Oh Puis-je en essayer un C'est très doux. J'ai mis du sucre dessus. Ces pommes sont vraiment bonnes. Ils n'étaient que 30 centimes chacun. Ne sont-ils pas plus chers que ceux du supermarché Oui, ils sont plus chers, mais ils ont meilleur goût. Avez-vous acheté d'autres fruits Eh bien, en plus des pommes, j'ai acheté des oranges et des bananes. Leçon 72. À venir demain. Bonjour. Salut. Es-tu toujours debout Oui. Vous avez l'air fatigué Est-ce que tout va bien Ouais, tout va bien. Je m'apprête juste à aller au lit. La journée a été très longue. As-tu le temps de prendre un café avec moi plus tard? J'ai quelque chose dont je veux te parler. Non désolé, pas aujourd'hui. Je dois me lever tôt demain. Oh, qu'est-ce que tu vas faire demain? Ma belle-mère vient donc je dois me lever tôt et nettoyer la maison. Je vois. Es-tu libre demain? Oui. L'après-midi, je dois finir quelque chose sur lequel je travaille, mais je serai libre après 15h30. Voulez-vous vous réunir après avoir terminé le travail Pensez-vous que vous aurez le temps Ouais, ma belle-mère partira d'ici vers 14h. D'accord. Je vois. Leçon 73. Annulation de la réunion. Je viens de parler à Jim. Qu'a-t-il dit Il a dit qu'il devait annuler la réunion cet après-midi. Oh, je vois. Y a-t-il un problème Non, ce n'est pas grave. Lui et moi étions censés parler à de nouveaux clients aujourd'hui. Désolé d'entendre ça. C'est bon. Cela s'est produit assez récemment. C'est étrange. Je me demande pourquoi. Sa femme a été malade, alors parfois il doit rentrer tôt pour s'occuper d'elle. Je vois. Comment va le travail Les choses sont lentes en ce moment. Ça vous dérangerait si j'empruntais votre téléphone. Le mien n'a plus de pile et je dois appeler mon patron pour lui en parler. Ok, laissez-moi aller le chercher. C'est dans la voiture. Merci. Leçon 74, j'ai été viré. Bonjour. Salut John, désolé d'appeler si tard, j'espère que je ne t'ai pas réveillé. En fait, je terminais juste un travail. Je ne suis pas encore allé me coucher. As-tu entendu que Bill s'était fait virer hier Non, je n'ai pas entendu ça. Es-tu sûr Ouais. Sarah me l'a dit cet après-midi. Elle en était assez bouleversée. C'est dommage. Bill est un gars sympa. Ouais, je sais. Pourquoi l'ont-ils viré Elle n'a rien dit. Je vois. Eh bien, si tu reparles à Sarah, dis-lui qu'il y a un poste à pourvoir dans mon entreprise. Bill peut avoir un entretien cette semaine s'il le souhaite. Oh, merci beaucoup. Je vais l'appeler et lui dire. Leçon 75 Nerveux à propos de la chirurgie. Bonjour, Mary. Tu as l'air contrarié, qu'est-ce qui ne va pas Ce n'est rien. Je suis juste un peu nerveux. Est-ce que tout va bien Je vais me faire opérer demain au doigt. Quel est le problème avec votre doigt je l'ai cassé l'autre jour en jouant au basket. Oh, c'est terrible. Oui, ça me dérange depuis ce jour. Vous avez peur de vous faire opérer Oui, je n'ai jamais été opéré auparavant. Je ne m'inquiéterai pas. J'ai dû me faire opérer de la jambe l'année dernière. Tout s'est bien passé. Étiez-vous nerveux avant l'opération Un peu. C'est qui ton médecin Docteur Marshall. Oh J'ai entendu dire qu'il est vraiment bon. Je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter. Bien. Cela me fait me sentir beaucoup mieux. Oui. Pas besoin de s'inquiéter. Leçon 76. Prendre un taxi. Bonjour mademoiselle. Avez-vous besoin d'un taxi Oui. Avez-vous des bagages Juste ces deux valises. Ok, je vais les mettre à l'arrière pour vous. Où vas-tu Le Comfortine. Je pense qu'il y en a deux à Boston. Vers lequel vas-tu Celui du centre-ville. Est-ce la première fois que vous venez à Boston Non. Je suis venu ici plusieurs fois. Je viens ici pour le travail tout le temps. Savez-vous combien de temps cela prendra Cela ne devrait pas prendre longtemps. Probablement environ 15 minutes. Wow, on dirait que le trafic est vraiment mauvais. Ouais, il pourrait y avoir un accident devant. Ok, puis arrêtez-vous à la prochaine intersection. Je vais sortir et prendre le métro. Leçon 77. Nous ne sommes pas perdus. Avez-vous faim Non, pourquoi Nous roulons depuis longtemps. Je pense que nous ferions mieux de trouver un endroit où manger bientôt. Non, ça va. Nous sommes en retard, donc nous ferions mieux de ne pas nous arrêter. Nous sommes déjà passés devant ce même magasin trois fois. Je pense que nous sommes perdus. Nous devrions demander à quelqu'un le chemin. Nous ne sommes pas perdus. Je n'ai jamais suivi ce chemin auparavant. Savez-vous où vous allez Oui, cette route traverse la ville. C'est plus rapide que l'autoroute. Pourriez-vous conduire un peu plus lentement, s'il vous plaît Bien sûr, pas de problème. Avez-vous vu ce panneau là-bas Je pense que c'est une rue à sens unique. Non, je ne l'ai pas vue. Je vais devoir faire demi-tour. Vous ne pouvez pas faire demi-tour ici. Je pense que tu devrais me laisser conduire. Je pense que tu as raison. Je suis fatiguée. Leçon 78. Aidez-moi à trouver mon sac à main. Alice, peux-tu me rendre un service Bien sûr. Je ne trouve pas mon sac à main. Pouvez-vous m'aider pas de problème, je vais vous aider à le chercher. Merci. Quelle couleur est-ce C'est noir. Avez-vous regardé dans la cuisine Oui, j'ai déjà regardé là-bas. Je vais regarder dans le salon. L'as-tu trouvé Non. Ce n'est pas là-dedans. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu je l'avais quand je suis allé à la bibliothèque ce matin. Pensez-vous que vous pourriez l'avoir laissé là-bas? Peut-être. Je vais appeler la bibliothèque et leur demander si quelqu'un l'a trouvé. Attendez. Est-ce ceci? Oui, c'est ça. C'est mon sac à main. Merci de m'avoir aidé à le trouver. C'est bien. Leçon 79. Prendre des photos. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous nous prendre en photo? Bien sûr. C'est une très belle caméra. Merci, mes parents me l'ont donnée. Comment l'utilisez-vous? Vous appuyez sur ce bouton ici. Rapprochez un peu. Attends, c'est trop près. Déplacez-vous un peu vers la gauche. Reculez un peu plus loin. Ok, reste là. Tu veux dire ici Oui c'est bon. Oh Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes. Ok. J'ai compris. Es-tu prêt? Oui. Sourire. Leçon 80. J'ai laissé tomber ta calculatrice. Salut Tracy. Que se passe-t-il? Salut Thomas, je fais la queue pour acheter un lecteur DVD. La ligne est trop longue. Pourquoi ne reviens-tu pas demain Je pense que tu as raison. Ils vont bientôt fermer. Allons prendre un café. Attendez une minute, je dois sortir quelque chose de mon sac. Veux-tu me tenir ça Bien sûr. Oups. Ce qui s'est passé j'ai laissé tomber votre calculatrice. Est-ce brisé Je ne suis pas sûre. Laisse-moi voir. Non, je ne pense pas qu'il soit cassé. Le bouton est sorti cependant. Je peux le réparer. Désolé pour ça. Ne vous inquiétez pas. Je fais ça tout le temps. S'il est cassé, j'en ai un autre dans ma voiture. Gracia por Vernos. Y por favor suscrivez à notre canal. Adiós